Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous et voici Toco Island. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors bienvenue jeunes aventuriers au pied de cette île merveilleuse dans laquelle vous allez effectuer vos recherches pour trouver le plus d'anciennes reliques possible. En effet, les scientifiques vous ont demandé d'arriver sur cette île avec votre bateau, de choisir les meilleurs outils et de fouiller aux bons endroits afin de ramener les reliques sur leur cabinet de curiosité. Toco Island est un jeu coopératif où on gagne tous ou on perd tous. Et dans le jeu, vous allez avoir plein de missions à accomplir. Au dos des cartes, on va retrouver les icônes qui représentent les différentes missions du jeu, comme le serpent pour Lamarck, la feuille pour Kablik, la planète pour Herschel et la patte pour Darwin. Et en plus, dans chacune des missions, il y aura 3 niveaux de difficulté. Bleu facile, jaune moyen et rouge difficile. Pour une première partie, on vous recommande de commencer avec le niveau facile de la mission Lamarck, c'est-à-dire le serpent bleu au dos des cartes. Vous prenez les cartes associées, vous les placez à l'arrière du bateau en révélant la première. Chacune de ces missions, peu importe son niveau de difficulté, comporte toujours 10 cartes. Et c'est donc comme ça qu'on vérifiera si vous avez gagné. Si vous avez trouvé les 10 cartes trésors, bravo, vous aurez gagné. Et là, en fonction des missions, on comptera vos points ou non. En revanche, si vous avez utilisé tous vos outils et qu'il vous reste quand même encore au moins une carte au trésor, malheureusement, vous aurez perdu. Vous n'aurez plus qu'à retenter l'aventure. Comment est-ce qu'on joue? C'est très simple, il va falloir choisir les bons outils utilisés au bon moment. Ils sont installés en début de partie au hasard sur votre bateau, puis révélés, et en fonction des zones, vous aurez plus ou moins d'actions. Tous ces outils-là auront chacun 3 actions. Ceux-ci en auront 2 et ceux-ci en auront 1. Avec le râteau, je vais pouvoir fouiller dans le sable, avec la pelle dans la jungle et avec la pioche dans la roche. Cet outil-là est tout simplement un jeton joker. Donc admettons, je décide d'utiliser le râteau qui me permet de fouiller dans le sable. Eh bien, je vais me rendre à Toco Island et commencer à fouiller où je veux dans le sable. Donc je vais retourner les jetons un à un et vérifier bien évidemment s'ils correspondent à la carte au trésor que je dois bien évidemment révéler. Alors je vais tourner ça et ça, non c'est pas les bons objets. Si je retourne celui-ci, bingo, c'est bien ça, j'ai trouvé le fossile, il correspond à la carte. Je place donc la carte de côté et j'en révèle une nouvelle. Ensuite je vais installer mon fossile dans le cabinet de curiosité. Sur chaque ligne vous avez un objet différent et si vous voulez un petit peu instruire vos enfants, dans le livret de règles on vous raconte des petites histoires et on vous explique le nom des fossiles. Quand vous révélez une nouvelle carte, si jamais l'objet était déjà apparu, vous ne pouviez pas le valider. En revanche, si vous restez des actions, vous auriez pu utiliser une nouvelle action pour valider cet objet. On a terminé ce tour, je mets donc devant moi le petit râteau qui m'a servi, mais vous allez me dire, mais c'est trop facile Tartampion, maintenant qu'on sait que la plume et la pierre de jade sont ici, eh bien il suffit au fur et à mesure de retourner les jetons et on les retrouve. Et non, quand vous avez terminé, vous allez remettre vos jetons à l'envers et voilà, il va falloir vous rappeler où sont installés tous les objets dans toutes les zones et c'est pour ça que c'est intéressant que ça soit coopératif. Et regardez aussi le petit twist du jeu, c'est que en fonction des zones, vous aurez différentes profondeurs de fouille. Dans la jungle, vous pourrez fouiller à 2 niveaux et dans la roche, vous pourrez fouiller jusqu'à 3 niveaux. Donc vos actions, vous les utilisez comme vous voulez. Si je suis dans la roche et que j'ai 3 actions, je peux soit retourner les 3 gros du dessus, soit un gros, un moyen, un petit, soit alors, si j'ai 3 actions, je peux décider, je retourne un gros, un moyen et un autre gros. Bref, vous les répartissez comme vous voulez. Et voici un petit aperçu du cabinet de curiosité au verso. Donc vous imaginez toutes les missions que vous allez pouvoir faire. Et quand vous les réussirez, eh bien voici votre beau livret de trophées où vous installerez toutes vos missions une fois qu'elles seront réussies uniquement. Côté facile, ça sera phase mat et côté plus légendaire, ça sera phase brillante. Et bien voilà, chers amis, c'était les règles du jeu Toco Island que je ne peux que vous recommander. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien !